Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Direction Angers pour le quintet de ce mercredi 5 avril, c'est la R1C1, le Grand Prix Angers-Loire Métropole. 16 chevaux de 6 à 10 ans vont prendre le départ à 13h50. C'est une course d'attelée de 3100 mètres, un groupe 3 international. Corde à droite. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater de toutes nos vidéos gratuites, des pronos turf, tennis, NBA, bien sûr foot. Et n'oubliez pas de participer à notre challenge quintet de la semaine. 3 freebets de 50 euros sur The Turf sont à gagner. Ça prend 2 minutes maxi pour participer. Le lien est dans la description, n'hésitez pas. Alors, rendez-vous sur le sable d'Angers donc pour ce très beau quintet. On devrait assister à un beau spectacle, un lot relevé, une distance longue, donc attention aux surprises, bien qu'on puisse quand même privilégier certains partants. C'est parti pour mon pronostic et partagez bien évidemment le vôtre dans les commentaires. Je démarre avec mes confiances et le numéro 10, Écho de Chancy. Bon, alors lui, c'est un perfect hein, sur l'hippodrome d'Angers. Joli 3 sur 3 et préparé pour l'occasion. Eh ben, il semble fiable. Hein. Numéro 5, Gaïa d'Ocagne, qui est en pleine forme. Elle est bien engagée et déférée des 4, donc elle pourrait bien frapper fort. J'enchaîne avec mes prétendants et le numéro 2 pour commencer, Alicia Bella, qui a été troisième en tout dernier lieu à Laval. La confirmation est à sa portée, d'autant qu'elle ne s'est jamais fait battre sur cette piste. Hein. Donc, c'est vraiment un critère à prendre en compte. L'As, Galested. Bon, 2022 a été une année sensationnelle, puisqu'il a enchaîné pas moins de 12 victoires d'affilée. Bon, il est un petit peu plus irrégulier ces derniers mois, mais la méfiance reste quand même de mise. Je vous propose le numéro 7, Happy Valley, qui aura ses fers, comme lors de sa récente rentrée, et lauréate dans le passé de courses de prestige, eh bien, c'est une possibilité à ne pas négliger. Numéro 12, Fakir du Loro. Bon, compliqué depuis un petit moment, mais là, il va être confié à Eric Raffin, qui, comme d'habitude, n'a pas dit son dernier mot. Polichinelle, numéro 3, DiMaggio, qui est de retour à l'athlée et en duo avec Mathieu Abrivard pour l'occasion. Donc pourquoi pas pour une jolie place. Numéro 9, Dexter Château, qui a fait de très bons temps à plusieurs reprises dernièrement. Donc attention, en cas de non partant, je vous propose le numéro 8, Doux Parfum. Et pour jouer, vous pouvez profiter du tout nouveau bonus sur The Turf, premier dépôt doublé en crédit de jeu non retirable. C'est-à-dire que vous déposez par exemple 100 euros, et bien l'opérateur va vous offrir 100 euros de free bet. Le lien pour vous inscrire est dans la description. Le récap de mon prono, partagez le vôtre dans les commentaires et on se retrouve demain en fin de journée pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao !